Ta ta ti ti ta ta. Pouet 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 pouet. Iba douba douba. Dans l'ascenseur. Bon boulot, équipe fond. Maintenant, c'est à nous de jouer. Respirez les mecs. Gardez votre sang-froid. Il n'y a jamais personne à la sortie des ascenseurs, c'est normal. Nous y voilà. Nettoyez-moi tous ces gars et posez les charges. Ok. C'est gardé comme pas possible et là d'un coup il y a plus personne. Charge posée, tout le monde à terre. À terre. C'est sûr que je vais avec ça. Waouh, beau travail. Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Posez aussi près d'ici. C'est peut-être un guet à pan, les fléguettes. La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Commandant, ça le regarde avec. Avec les yeux d'amour, quoi. La bombe est presque prête. Rejoignez le point de rendez-vous, Williams. Négatif, commandant. Les guettes nous ont coincés à la tour anti-aérienne. On s'en prend plein la gueule. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Tenez bon. On va vous chercher. Négatif. Débrouillez-vous pour poser cette bombe. On les contient tant qu'on... Ça va aller, commandant. Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez. C'est par où? Je sais pas par où c'est. Rex. Bon, ça marchait bien, Rex Tali, en fait. Allez. Par où?
Alors, Tali, armure. Mieux, équipe. Merci pour le don. Merde. Les guêtres ont été renforcés. Attention, lieutenant. On vient de repérer un transport de troupes qui se dirige vers votre position. Oui, on est déjà là. Les guêtres débarquent en masse sur la position. Accrochez-vous, lieutenant. Je reviens vous chercher. Négatif, ils sont trop nombreux. Je ne crois pas qu'on pourra les contenir. J'active la bombe. Bordel, qu'est-ce que vous foutez, Alenko ? Je vais faire en sorte que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher Williams et fichez le camp d'ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Alenko. Alenko, ouais. Contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant. Je... C'est la meilleure solution, vous le savez, lieutenant. Désolé, Ash. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Ashley va mourir ! Ashley va mourir ! Ashley va mourir ! Pourquoi j'arrive pas à ouvrir cette putain de porte, là ? Allez, oh ! Ashley va mourir ! Putain, Tali, t'es moche. Oulala. Ah oui. Ça picote. Ah, on s'est fait ouvrir le cul, hein. What? Ah ouais, ah t'es sérieux, d'accord. Ok. Je me rappelle pourtant avoir... avoir sauvegardé après, après Tali. Échec critique de la mission parce qu'il y a des échecs normaux. Non, il n'y en a pas. Bon. Alors... Merde. Les guêtres ont redémarré. Attention, lieutenant. On vient de repérer un transport de troupes qui se dirige vers votre position. Il est déjà là. Les guêtres débarquent en masse sur la position. Accrochez-vous, lieutenant. Je reviens vous chercher. Négatif, ils sont trop nombreux. Je ne crois pas qu'on pourra les contenir. J'active la bombe. Bordel, qu'est-ce que vous foutez, Alenko ? Je vais faire en sorte que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher Williams et fichez le camp d'ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Alenko. Alenko, contactez Joker
et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, j'aurais pas dû faire péter les trucs de réservoir tout à l'heure. C'est la meilleure solution, vous le savez, lieutenant. Accrochez-vous. Je reviendrai vous chercher, Ash. Nous savons toutes les deux que ça n'arrivera pas, commandant. Mais... Ah oui. D'accord. Ok. Je sais pas si Rex avait pas plus d'armure avec son ancienne armure. Aïe, ok, d'accord. Je me suis fait ouvrir. Mais te colle pas au mur, conne de toi! Et un de moins. Il est où l'autre? Il y en a un autre? Allez! Attaque, ping! Ok, d'accord, Saren il est imba en fait. Félicitations, Shepard. Mais Gett était vraiment convaincu que les Galariens étaient la véritable menace. Impressionnante diversion. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ce dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de libertés insignifiantes. Les Protéens ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu? Peut-être les Protéens existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie sauve? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles... Il est endoctriné imaginez par son propre vaisseau, lui, c'est pas possible. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence? Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées? J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Et pourquoi les Geths suivent-ils Sovereign? Parce qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante. Il se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitié.
l'incroyable dévotion que lui offrent les quêtes. Ce sont des instruments, et leur foi ne changera rien. Mais en tant qu'instruments, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés, nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal. Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule. Et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les moissonneurs ne sont pas invincibles. On peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants. Pour s'en sortir, le seul espoir, c'est de s'allier eux. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux. C'est inévitable. Mais c'est pas juste. Pourquoi je peux pas sauvegarder ? Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie n'a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. Mais ok, mais c'est pas très juste là. Moi j'aurais bien fait une petite sauvegarde quand même, entre temps. C'est un spectre quand même, le mec, c'est pas... C'est pas joué le rigolo, quoi. Vas-y, sors, mec. Il est où ? Possible.